Bien bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 2 avril. J'espère que vous n'avez pas trop fait de blague hier, mercredi 1er avril. Eh bien, pour aujourd'hui, et ce n'est pas une blague, voici le programme de la journée. Ce matin, vous allez commencer les CE2 par du calcul posé, puis les CM1, CM2 par des problèmes. Les CM2, vous continuerez à travailler sur la proportionnalité. Puis, vous ferez du calcul mental. Les CM2, vous ferez matéro. Et ensuite, en mathématiques, vous travaillerez tous sur les mesures de longueur et vous apprendrez à convertir des unités de mesures de longueur. Après la pause, vous continuerez à travailler sur vos livres de littérature et vous ferez de l'histoire. Aujourd'hui, vous travaillerez sur les châteaux, sur le château de Versailles et ses jardins. Cet après-midi, après un temps de lecture, on va dire libre, puisque j'imagine que vous n'avez plus de livres de rallye lecture à lire, eh bien, vous ferez de la production d'écrit. Aujourd'hui, vous allez corriger la recette du gâteau au chocolat de Karine T'explique. Après la production d'écrit, les CE2 continueront à travailler sur leur dictée, tandis que les CM, vous travaillerez en orthographe sur les adjectifs qualificatifs. Après un temps de pause, vous finirez par de l'EPS et là, vous travaillerez sur le flash mob. Et n'oublie pas de bien cliquer sur la dernière vidéo de la journée quand tu as fini le programme de la journée complète. En effet, cela me donne une information sur le nombre d'élèves qui ont fini le travail. Alors, si tu as décidé d'étaler le travail sur plusieurs jours, ce n'est pas un problème. Quand tu as fini le programme de la journée du jeudi 2 avril, eh bien, je te demande juste de cliquer sur la vidéo de la fin du programme pour me montrer que le programme est bien fini. Je te souhaite maintenant bon courage pour cette journée de travail.